tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, j'ai craqué. Aïe aïe aïe, je vais me faire disputer. Non, c'est bon, elle est déjà au courant, Val. J'ai rejoint Vanessa sur un autre projet, pour moi XXL. Pour elle, ça va, elle a l'habitude maintenant des grandes toiles, de gérer ça. Mais pour moi, ça va être la première fois que je vais faire une très grande toile. C'est sur cette toile-ci. Donc c'est une Mona Lisa. C'est une toile en 11 CT, elle fait 149 cm par 66 et comme vous le savez, moi mes toiles en 11 CT, je les brode en deux brins. Donc c'est une Mona Lisa, je vous fais juste rapidement une petite présentation parce que Vanessa l'a déjà présentée. Donc c'est une Mona Lisa, donc c'est sous forme de livret. C'est un livret qui est, alors vous n'allez pas le voir, mais qui est agrafé. Hein. Là, il y a deux agrafes. Donc, les feuilles ne tombent pas. Donc, ça, c'est très, très bien. C'est une toile en 60 couleurs. C'est ça, 60 couleurs. Il me semble... Ouais, c'est ça. Les symboles qui sont sur le livret ne correspondent pas aux symboles de la toile. Voilà, et il n'y a pas la double identification, ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est pas bien grave. La toile est très 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 bien imprimée. Le patron aussi, hein, sur livret, il n'y a pas de problème. C'est une toile qui est répartie en 24 cases. Voilà. Donc bah, elle sera finie d'ici décembre, hein? Ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. D'ici décembre. Plus les autres projets qu'on a, bien entendu. Non, je rigole. On ne s'est pas fixé. C'est une toile sans pression, sans cases. On ne se définit pas le nombre de cases. On la brode suivant notre humeur. Donc je pense que moi je vais faire par colonne. Un peu comme fait Vanessa avec l'European Town. Ouais, je vais la faire par colonne, je pense. J'ai fait une dizaine de points avant de partir en vacances. Vraiment pour dire d'avoir commencé la toile. Mais j'ai pas pu trop avancer dessus. Sur septembre, je ne suis pas sûre de pouvoir bien l'avancer, mais bon, c'est pas grave. On s'est pas donné de date butoir pour la finir. Chacun fait comme il peut, suivant le temps qu'il a de disponible. Sur ce projet, je crois qu'on est quatre. Donc il y a Vanessa, Catherine qui est avec nous sur le projet des 50 cases aussi avec Vanessa. Et Florence, il me semble. Donc les filles, hein, si vous passez par là, je vous fais des gros bisous et je suis ravie que vous fassiez partie de ce projet. Plus on est fou, plus on rit. Donc s'il y en a d'autres, je sais qu'il y a pas mal de personnes que cette toile intéresse, qu'il y a plusieurs personnes qui sont tentées par cette toile. Et je crois qu'il y a des personnes qui l'ont déjà commandée et qui l'attendent avec impatience. Donc bah, si vous voulez nous rejoindre, c'est avec grand plaisir. Enfin, je parle au nom de Vanessa et des autres filles, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Plus on est de fous, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus on rit. Et c'est sympa de voir les avancées de tout le monde. Vanessa, je crois qu'elle la commence en haut à gauche. Donc moi, je vais peut-être la commencer en bas à gauche. Je sais pas. Comme ça, si on a plusieurs points de démarrage, c'est sympa de voir les avancées de tout le monde et un peu voir la toile se profiler de différents points de vue. Ça peut être sympa. Donc voilà, cette toile, donc je vous l'ai dit, elle va être sans pression. Il y aura une vidéo par mois sur ma chaîne. En fin de mois, donc je pense que ça sera aux alentours du 25 du mois. Et bah là, je vous fais la vidéo. À l'heure où je vous parle, on est en début du mois, on est le mercredi 4 septembre. Donc pour l'instant, je n'ai pas brodé.
Mais avant de vous la mettre en ligne, je vous ferai voir mon avancée, si j'ai pu avancer ou pas sur cette toile. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et ciao ciao, bye bye. Et je reviens parce que je vous entends. Ouais, mais elle nous a même pas fait voir la toile. Bah ouais, j'ai oublié. Non, c'est que mon téléphone est en train de charger, donc j'attendais un petit peu. Là, je vais pouvoir le débrancher et je vous fais voir la toile. Allez, on y va. Let's go. Après, le problème, c'est que elle est tellement grande, cette toile, que je sais même pas comment je peux faire pour vous la faire voir en une seule fois. Mais je peux pas, en fait, j'ai pas assez de recul. Et vous la voyez pas en entier. J'ai pas assez de recul. Ma chambre est pas bien grande. Bon, voilà. Donc vous voyez, j'ai fait. Voilà, vous verrez mieux comme ça. Ah, j'ai fait une quinzaine de points. Que du noir, hein, bien entendu. Je suis habituée, moi, vous savez. Donc je pense que, vu comme elle a été pliée, comme elle a été pliée dans le colis, là, vous voyez, ça fait par bande, et ben, je crois que je vais m'adapter aux bandes et je vais la travailler comme ça, en fait, en montant. Je pense que je vais faire comme ça. Peut-être que j'en aurai marre du parterre et que je ferai un peu le feuillage, je ne sais pas. Mais pour l'instant, dans mon optique, je pense que je vais faire le bas et puis je vais monter progressivement. Et puis après, bah, je ferai peut-être comme ça, je descendrai comme ça. Comme ça, je ferai pas que du parterre en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais commencer du bas en remontant vers le haut. Je vais passer à la colonne d'à côté, du haut jusqu'en bas. Et arriver en bas, bah, du bas jusqu'en haut. Et ainsi de suite sur les différentes bandes. Je pense que je vais faire comme ça. Allez, sur ce, cette fois-ci, je vous laisse. Et on se retrouve à la fin du mois pour voir mon avancée. Voilà, donc le mois de septembre est passé ultra rapidement pour ma part. Ça a été un peu compliqué. J'ai pas avancé beaucoup hein, sur ce projet, magnifique projet. J'ai pas pu trop avancer. Je pense que Vanessa, comme d'habitude, a été beaucoup plus loin que moi sur cette avancée, mais c'est pas grave. On s'était pas mis de pression, de timing bien précis. Donc, je vous fais voir mon avancée et vous jugerez par vous-même. Voilà, hein, donc vous avez vu la bête que ça représente quand même. Voilà. Et j'ai fait que ça. Donc je n'ai pas fait grand-chose. Voilà, j'ai fait la petite fougère là. Hop. J'ai pas fait grand-chose. T'as vu Vanessa? J'ai pensé à toi quand je l'ai mis. Mais j'ai pensé aussi à vous les filles parce que c'est vous qui me l'avez offert pour mon anniversaire. Mais petite parenthèse pour Miss Valou qui aime bien les Valou la Belge. Je ne sais pas si tu passes par là. Elle aime bien les tortues et ma petite Vanessa, sa tatan, aime bien aussi les tortues. Voilà, donc sur l'arrière, c'est peut-être un peu plus parlant. J'ai fait que ça. J'ai même pas fait un carré en fait, hein, voyez? J'ai même pas fini. Je voulais faire au moins ce carré-là et ben j'ai pas pu. Voilà. Voilà, donc eh ben, on fait ce qu'on peut, hein. Ça reste des loisirs créatifs, donc c'est vraiment à temps perdu. Et sur le mois de septembre, ben, j'avais pas de temps perdu, concrètement. Donc j'espère que sur le mois d'octobre, je pourrai faire un peu plus. Et puis, eh ben, on se tient au courant, hein, de toute façon, sur plusieurs mois, années.
Voilà. Sur ce, les filles, j'espère que vous, de votre côté, vous avez bien avancé. Je vous fais à tous et à toutes de gros bisous et ciao, 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 bye bye. Pardon. Bonne petite croix à tout le monde. Ciao.